girls and boys, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo unboxing de calendrier de l'Avent. Mais attention, pas n'importe quel calendrier de l'Avent, puisqu'en exclusivité, je vous dévoile ceci. Alors, vous allez me dire, what? Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Ceci est un calendrier de l'Avent, mais pas un calendrier de l'Avent comme les autres. Il s'agit du calendrier de l'Avent de Mel Événementiel. Vous ne la connaissez sûrement pas, même si c'est pas bien de ne pas la connaître. Mel Événementiel, en fait c'est une fille qui s'appelle Mélissa, c'est ma meilleure amie qui a lancé sa boîte d'événementiel du coup. Donc elle fait tout ce qui est mariage, baby shower, les gender reveal, les anniversaires, les soirées à thème, tout ça. Et cette année elle a décidé du coup de créer son propre calendrier de l'Avent avec des produits qui lui correspondent. Qui correspondent à son éthique personnelle et professionnelle. Et du coup, hop, le voici. Donc normalement, celui-ci, c'était mon cadeau de Noël. Mais elle me l'a offert pour mon anniversaire. Même si mon anniversaire est dans quelques jours. Je fais cette vidéo maintenant pour pouvoir vous en parler. Parce que forcément, vu que c'est une petite société, une petite boîte, et que c'est des choses qu'elle fait elle-même, à la main, tout est personnalisé par ses soins, bah du coup elle en fait pas des dizaines et des dizaines. Donc comme ça je vous parle de ce calendrier aujourd'hui et vous pourrez le commander. Donc vous aurez toutes les informations en barre d'infos, puisque du coup, bah vu que c'était censé être mon cadeau de Noël qui est devenu mon cadeau d'anniversaire, pour que je puisse vous en parler maintenant, parce que c'est pas le 24 décembre que je vais vous dire « Hey, j'ai un calendrier de l'Avent dont je dois vous parler », ça sera un peu trop tard. Du coup, toutes les informations seront en barre d'infos. Elle me les a envoyées sur un fichier que du coup j'irai lire et voir après avoir ouvert ce calendrier de l'Avent, du coup, puisque je ne suis au courant de rien. Je ne suis absolument pas spoilée. Donc ça va être 100% découverte. Donc du coup, elle fait tout avec ses petites mains. Donc elle met tout elle-même hop, dans les boîtes, et ça se présente comme ceci. Alors, je vais faire attention pour pas tout faire tomber. Donc tout se présente comme ceci, ce sont des petits papiers, enfin, des petites boîtes hop, en carton pour la majorité. Et donc dessus vous avez les petits tampons avec les chiffres qu'elle a fait elle-même. C'est elle voilà qui a fait les... qui a tamponné les petits sachets. La plupart des sachets elle les a fait elle-même, elle les a fait main. Et vous avez quelques petits, de ce que je vois du coup, quelques petites choses comme ceci. Ou pareil, ben c'est elle qui a fait ça de ses petites mains. Donc, il me tarde trop de découvrir tout ça. Je suis trop contente de vous montrer ce calendrier. Je suis très fière d'elle, de tout ce qu'elle fait avec, du coup, avec sa boîte Mel Événementiel. Donc elle vient, elle a créé il y a quelques mois, voilà, donc... malheureusement c'est pas tombé la bonne année, mais c'est comme ça. Donc vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Je me répète, je vais arrêter et du coup je vais chercher la case numéro 1. Donc le truc c'est que vu que c'est une petite boîte, je pense que je vais devoir faire beaucoup de cuts au montage. Voilà, je vais me les mettre devant moi comme ça. Hop, ah ben j'ai trouvé du coup le numéro 1. Donc c'est une petite boîte comme ceci. Et nous avons... Oh, trop bien! Trop bien. Donc, du coup, nous avons une lingette réutilisable. Donc, je n'utilise plus de coton, hormis pour les soins de ma lapine, Fluffy, où j'ai racheté un paquet, du coup, pour elle. Mais sinon, à titre purement personnel, je n'utilise plus de coton. Pour les ongles, quand je me les fais, j'utilise les peaux, vous savez, avec le dissolvant et les genres d'éponge à l'intérieur. Et par contre, pour tout ce qui est maquillage, lotion et compagnie, j'utilise ces petites lingettes réutilisables. Donc j'en suis trop contente d'avoir ça. Ça, c'est top. Et du coup, ça correspond vraiment à son, bah, à son éthique, où voilà, elle essaye de faire elle aussi du mieux qu'elle peut pour préserver notre petite planète. Donc ça, franchement, j'en suis trop contente, parce que des lingettes comme ça, je n'en ai clairement jamais assez. Numéro 2, donc on a à nouveau une petite pochette blanche. C'est pas le même du coup, on avait un petit tampon argenté avant et là on a un petit tampon doré. Et qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien! Oh, j'adore!
C'est un masque, du coup, donc un masque, un réutilisable, hein, et du coup avec des motifs de Noël. Donc on a les petits, les petites paires de gants. Donc on en a des dorés, on en a des rouges, on en a des verts, on a des petits du hou dessus. Ah, ça c'est trop bien. Parce que bon, ça malheureusement, je pense que on va en avoir pour un bon moment, hein, malheureusement, de tout ça. Je pense qu'on n'en est pas sorti de cette galère, malheureusement. Donc, des masques réutilisables, c'est très très bien pour la planète. Et en plus, elle m'en a déjà offert un pour Halloween. Et moi, jusqu'à présent, j'arrivais vraiment pas à respirer avec les masques en tissu. Et avec les siens, mais je respire bien. Ils sont pas trop serrés, ils sont vraiment top top top. Donc, j'en suis trop trop contente. Est-ce que j'ai déjà sorti le numéro 3? Oui, j'ai sorti le numéro 3. Donc on a encore un petit tampon différent qui est doré avec marqué Joyeux Noël tout autour. Et donc case numéro 3, nous avons un sachet de thé. Donc un sachet de thé de mariage frère, blanc et rose, blanc, thé blanc moelleux et rose tendre. Donc comme ceci. Alors je sais qu'elle a eu un petit souci, elle m'a prévenue, je savais qu'elle allait avoir des sachets de thé du coup. Donc moi j'adore, je suis une très 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 grosse consommatrice de thé. Et elle devait me mettre les sachets de thé héritage, sauf qu'il y a eu un petit souci avec leur livraison. Donc du coup elle les avait pas pour pouvoir me le donner pour mon anniversaire et que je puisse vous les proposer. Donc vous normalement vous devrez avoir le thé, des sachets de thé héritage. Donc à voir ce qu'elle m'aura donné en info sur le petit fichier qu'elle m'a envoyé. Mais normalement ça devrait être du thé héritage. Ensuite ça doit être le numéro 6, non ça on a dit que c'était le 4. Si la 4 elle est trop jolie, elle est en forme de triangle. Hop, avec un petit lien en haut. Donc le petit 4 c'est un flocon de neige, elle a fait plein de petits tampons autour. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup il y a un petit sapin en dessous, vous avez des petites c'est des étoiles ou des flocons? Ah, c'est des étoiles, c'est trop joli. Est-ce que j'arrive à peu près à l'ouvrir sans faire de catastrophe? Je ne sais pas, est-ce que je vais réussir? Si je vais réussir. Hop, comme ceci. Et du coup nous avons, qu'est-ce que ceci? Nous avons un petit papier. Nous avons quelque chose à l'intérieur. Oh, c'est trop mignon! C'est trop chou. Donc, c'est une petite fiole avec des paillettes à l'intérieur qui font comme de la neige avec une petite fleur. Oh, c'est trop chou. Alors, je sais pas. Pardon. Je sais pas si ça vous aurez exactement la même chose comme pour les sachets de thé, hormis le problème avec l'héritage. Parce que je sais, elle me l'a dit. Que le calendrier elle avait personnalisé du coup pour moi plus particulièrement. Mais du coup vous aurez toutes les informations en barre d'infos concernant le calendrier qui sera envoyé, enfin que vous recevrez du coup, parce que là il est vraiment celui-ci est vraiment fait pour moi quoi. J'en ai mis pour 3 heures. Du coup le numéro 5, est-ce que je l'ai sorti? Je ne crois pas. Si, oh si si. Donc le numéro 5, donc là avec une grosse boîte et donc avec le petit logo argenté. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un gel douche fleur de vigne de chez Caudalie. Hop, comme ceci. Donc c'est un 40 ml, donc franchement top. Ah, ça sent trop bon. Les produits Caudalie, ça sent vraiment très 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 bon. J'adore. Et ça, c'est le genre de produit que j'adore pour pouvoir partir en week-end ou partir en vacances. C'est top, ça évite d'avoir les gros flacons ou alors d'en acheter sur place. Donc ça serait très 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 bien. Case numéro 6. Alors, je pense que vu la forme du tampon... Ouais, vu la forme du tampon, le numéro 6, c'est celui-ci. Et donc case numéro 6, nous avons une bougie, mais du coup pas n'importe quelle bougie, ouais je m'en doutais. Hop, ce sont des bougies qui sont vraiment faites en, hop, comme ceci, en cire d'abeille. Et si je dis pas de bêtises, et je ne pense pas dire de bêtises, sa maman possède des ruches, donc je pense qu'elle a dû faire ça avec...
les ruches de sa maman et moi qui suis une grosse, 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 grosse dingue de miel. Oh, ça va être le bonheur. Donc là, au fur et à mesure, je remets les produits dans les cases pour me le réouvrir à tout le mois de décembre. Ça va être très très dur de résister parce que je suis vraiment trop trop fan de l'odeur de miel et vraiment ça sent vraiment le miel à plein nez. Donc je pense que ça veut dire que le 6 décembre, ça doit être un dimanche puisqu'on a la tradition en général de... Oui, on a la tradition en général de se mettre des bougies chaque dimanche. On a fait ça depuis que j'ai découvert que Rituals le faisait, alors je sais plus pourquoi. Honte à moi. Mais du coup, on a gardé ce petit rituel. La numéro 7, hop, elle est à l'intérieur, comme ceci. Avec des petites étoiles. Et nous avons, alors j'ai un bon pour des biscuits, hop, comme ceci. Donc effectivement, quand même la donnée, le jour même, parce que j'étais chez le vétérinaire après, on s'est vu du coup le jour même, enfin la veille du confinement. Donc c'était un petit peu compliqué de faire les biscuits, de les garder, voilà. Des biscuits faits maison, ça se garde pas des mois et des mois, vu que c'est pas plein d'additifs et tout ce qu'on veut. Donc voilà, on me sort le dernier petit paquet. C'était la numéro 7, du coup la numéro 8, hop, la numéro 8 qui est comme ceci. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Oh, trop bien! J'ai un pot de miel de fleurs, donc bon, je suppose que ça doit être le miel de sa maman. Aïe 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 aïe, c'est pas bien ce que je fais, c'est pas bien du tout ce que je fais. Non mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir résister jusqu'au mois de décembre pour manger ça. C'est pas bien. C'est pas bien parce que là du coup je sais que je vais vouloir le... J'arrive même pas à le remettre dans le petit paquet en plus. Là je vais avoir qu'une seule envie et jusqu'au 8 décembre, c'est d'ouvrir ce paquet pour pouvoir manger le miel qui est trop bon. Ah, c'est pas cool. C'est trop bon. Case numéro 9, 24, du coup case numéro 9 qui est comme ceci. Et c'est une autre lingette démaquillante. Elle est tellement douce. Et puis franchement, moi, c'est les lingettes démaquillantes. J'en suis trop, 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 trop fan. Je l'ai déjà dit avec la précédente. J'adore, j'adore. C'est ma vie, les lingettes démaquillantes maintenant. Et si vous voulez, donc celle-ci, je ne sais pas du coup de chez qui elles viennent. Elle a peut-être même fait elle-même, je ne sais pas. Je ne sais pas de chez qui elles viennent. Du coup, je crois que c'était la case numéro 9, si je ne me trompe pas. Donc, case numéro 10, comme ceci. Hop, qu'est-ce que nous avons? On a un autre masque de Noël. Et ça, je suis trop contente parce qu'on n'a jamais assez de masques à Noël. Et il est canon. Il est canon de chez canon, donc il est beige. Et dessus, vous avez du coup des petites chaussettes de Noël. Des petites chaussettes de Noël. Vous avez des... Hop, on les voit un petit peu par ici, on les voit mieux à l'intérieur. Des cannes à sucre, pas des cannes à sucre. Comment on appelle ça? Je sais plus. Ça, des petits houes, des petites sucettes. Enfin, c'est trop mignon. C'est trop trop top, j'adore. C'est sa maman qui les a fait, donc c'est vraiment du fait maison. C'est pas du tout... voilà, elle a choisi... Mélissa a vraiment choisi elle-même les tissus et tout, donc... case numéro 11, elle est juste ici. Hop. Donc je me répète, hein, mais vous n'aurez pas forcément... On a un sachet de thé. Le thé Fuji Yama de mariage frère. Du coup, thé vert précieux du Japon. Rare Japan Green Tea. Donc pareil, trop trop bien. Donc je me répète, hein, mais... dans le calendrier qu'elle propose, vous n'aurez pas forcément exactement les mêmes produits à l'intérieur vu qu'elle a personnalisé pour moi. Donc si jamais vous commandez, dites-vous bien que vous n'aurez pas forcément exactement les mêmes produits tous les jours. Case numéro 12 qui est dans une petite boîte. Je me demande bien ce que c'est.
qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, trop bien, je voulais trop tester. Ah, oh, en plus c'est gravé, c'est trop mignon. Ah, je suis trop contente parce que je voulais trop tester avec les brosses à dents du coup, comme ça. Donc, ils sont en bois ou en bambou. Je sais pas si c'est du bois ou du bambou. Donc, du coup, qui a pu être gravé à mon nom. Et donc, du coup, hop, comme ça. Oh, ça, je suis trop contente parce que je voulais trop tester. Je voulais trop tester. En plus, j'ai plus de brosse à dents d'avance. Donc, dès que la mienne sera foutue, ben, je vais l'utiliser avec grand plaisir. Je pense qu'elle attendra pas le 12 décembre, celle-là. Oh, quoique, j'ai envie de changer de brosse à dents. Bon, peut-être. Mais du coup, je suis trop contente de pouvoir les tester. Et je pense que ça doit être la marque. Alors là, j'ai perdu le nom de la marque, c'est pas bien. Mais elle est ambassadrice d'une petite entreprise qui est sur le bassin, si je me trompe pas. Où du coup, ils font plein de petits produits comme ça en bois ou en bambou. De façon à ce que ce soit le plus écologique possible, le plus recyclable possible. Donc ça, c'est trop, vraiment trop top. Case numéro 13, hop, c'est celle-ci. Donc je pense que ça va être une autre bougie. Ouais, une autre bougie du coup. Non mais c'est pas possible. Hein. Déjà j'ai envie de mordre dedans. Mais j'ai vraiment envie de mordre dedans. Puis on le voit quoi, c'est vraiment, c'est fait main quoi. C'est pas de l'industriel, c'est vraiment... Oh là là, non mais ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir résister jusqu'au mois de décembre pour les ouvrir ces bougies. Parce que ça sent trop bon. Case numéro 14, petite pastille dorée. Nous avons une troisième lingette démaquillante. Donc ça, pareil, avec le même petit tissu. Donc ça, je suis toujours aussi fan. Hein. Ça ne doit pas changer par rapport aux précédentes. Ça, c'est ma vie, les lingettes. Donc, top. J'adore. Comme je commence à avoir une certaine collection, je pense que je vais peut-être même pouvoir envahir la salle de bain de mon chéri. Tiens, ça peut être pas mal. C'était la 14, donc case numéro 15. Elle est comme ceci. Je sais pas si vous allez bien y voir à chaque fois avec la lumière du coup, mais tant pis. Un sachet de thé de la maison Mariage Frères aussi. Donc qui a été fondée en 1854. Waouh. Et donc là on a le thé Casablanca. Anshin Selan. La grande tradition de venir Casablanca, donc je ne sais pas. Casablanca. La menthe au Maroc? Parce que j'ai l'impression de sentir la menthe. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit un thé vermante. Et ça, j'adore le thé vermante. Enfin, j'adore le thé tout court de toute façon. Case numéro 16. Case numéro 16, c'est un petit hop, tout comme ceci. Donc on va avoir un autre petit pot de miel. Waouh, miel de bruyère. Waouh, alors la couleur. Oh, alors je sais pas du tout. J'essaie de me mettre ça pour voir. Je sais pas du tout. Je pense pas que vous réussirez à voir la différence de couleur à chaque fois. Mais il fait vraiment très ambré en haut. Et beaucoup plus clair en bas. Parce que du coup on doit avoir tout le... Je sais pas si c'est le pollen ou... Parce que je n'y connais absolument rien. Mais... Wow, ça sent trop bon. Oh là 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 là. Ça a un goût, mais de dingue. Là, ça me donne envie d'une seule chose. De tartines de chèvre chauve ou de cabécou. Oh, des tartines de cabécou là. Avec du miel comme ça, mais mon dieu. Ah, je suis trop... Ah, je suis refaite. J'adore. Case numéro 17. Donc je pense que vous pouvez le voir hein, que la plupart des produits du coup est vraiment elle essaye de faire en sorte que la plupart des produits du coup soient faits dans la région ou soient made in France le plus possible, que ce soit vraiment des produits qui soient le plus écologiques possible. Donc là en case numéro 17 on a du coup une petite lingette hop, démaquillante comme ça. J'adore. Je vais pas répéter, hein, mais les lingettes démaquillantes, moi, c'est ma vie. Donc, elle le sait. Hein, voilà, ça se voit. Elle le sait que j'adore ça, que je n'utilise plus que ça. Donc, au top. Case numéro 18. Nous avons un thé. Le thé blanc et rose à nouveau. Je les sens pas à travers, du coup. Hop. Donc, fait main avec des produits d'une qualité énorme. Je pense que ça va être une case de dimanche.
Ah non. Donc franchement top. Nous avons un nouveau produit de chez Caudalie. C'est une body lotion. Donc Caudalie hein, qui est juste à côté de chez nous. Ah ça sent trop bon. Ça c'est pareil pour partir en voyage et tout. J'adore, j'adore, j'adore. Donc pour aller avec le gel douche, ça va être top de chez top. Puis franchement, c'est pas trop trop cute ces petits trucs comme ça. Case du coup, hop, numéro 20. Je voulais pas montrer, donc je pense que le 20 décembre doit être un dimanche à nouveau. Je vous jure, je vais finir par le manger ce truc là. Je sais pas si ça se mange, il faudrait que je lui demande. Mais ça sent tellement bon. Ensuite, du coup, case numéro 21. Je vois même pas si je le centre, pas du tout. Hop, case numéro 21. Nous avons en case numéro 21 un autre petit pot de miel, je pense. Hop. Et cette fois-ci, c'est du miel de bourdaine. Alors, je ne connais absolument pas. Alors, je ne saurais même pas dire si c'est une plante ou une fleur. Bon, ça fait plus nom de plante quand même que nom de fleur. Waouh, ça sent trop. C'est tellement bon, mais c'est trop bon. Mais c'est trop trop bon. Genre en fait ce soir je vais finir par me faire des tartines. Des tartines avec du miel. Non c'est pas bien, faut que j'attende le mois de décembre pour l'ouvrir. Donc c'était la case numéro 21 du coup. Donc on est quand même que sur des produits de qualité, quoi que ce soit. Les miels, les lingettes, la brosse à dents. Tout ça c'est top. J'ai ouvert la case numéro 21, donc la case numéro 22. Ça va être une petite lingette. Oui, une autre petite lingette du coup démaquillante, donc toujours avec le même motif. Donc ça évite d'avoir des trop dépareillés, ce qui est très très bien. Mon dieu, mais à chaque fois que je mets la main dessus, c'est tellement doux. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Si j'en avais pas déjà, je crois que je résisterais même pas et je les prendrais déjà avec moi. Case numéro 23, on se rapproche grandement de la fin, trop triste. Case numéro 23, nous avons un sachet de thé, le thé vert Fujiyama, donc des mariages frères. Hop, comme ceci. Voilà. Elle a mis de toute façon tout ce que j'aime, quoi. Que ce soit le miel, les bougies à base de miel, les lingettes, le thé, brosse à dents à tester et tout. Elle me connaît trop bien. Case numéro 24. C'est à nouveau un petit masque. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau. Mais regardez-moi ça. Alors, je sais pas si vous allez réussir à bien voir les motifs en doré dessus. Oh, c'est des flocons de neige, du coup, avec différentes sortes de flocons de neige. Oh, mais il est pas trop canon, les gars. Alors, c'est bête, j'ai pas l'essayer parce que j'ai du rouge à lèvres et c'est pas du rouge à lèvres liquide mat. Donc, sinon, ça va m'en mettre partout. Oh, mais je suis trop contente, il est trop beau. Oh là. Il est trop beau. Non mais ça va être compliqué d'attendre jusqu'au 24 les gars pour réussir à l'avoir celui-là. Je vais vouloir le porter avant le 24. Et du coup j'ai une petite case numéro 25 avec écrit du coup bonne fête dessus. Je sais que c'est parce qu'elle a pas de tampon avec le numéro 25. Hop. Donc cup, cup, cup. Ah ah ah, attendez que je vais faire une bêtise, ça va tout déchirer. Hop, case numéro 25. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est une bougie. Ah, c'est une bougie, alors ça doit être à base de cire d'abeille ou quelque chose comme ça parce que je trouve que ça sent le miel à fond. Donc ça, je pense que c'est sa maman qui doit l'avoir faite. Oh là 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 là, ça sent trop. Non mais je vais pas réussir à attendre le mois de décembre pour les ouvrir les gars, pour tout le rouvrir. Parce que là à chaque fois je me suis embêtée à tout remettre dans les cases, dans les petites boîtes, hop, pour que du coup elle puisse du coup me voir ouvrir les cases et tout le mois de décembre. J'espère que j'arriverai à m'y tenir. Je vous mettrai une photo sur Instagram tous les jours avec tous les produits des différents calendriers. Parce que tous les calendriers qui sont avec des cases ou des boîtes ou des choses que j'ai pu remettre en fait et que le calendrier n'était pas dans un état catastrophique, j'ai tout remis à chaque fois pour réouvrir les calendriers au mois de décembre. Parce que comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je vais avoir complètement oublié. Hop. Donc voilà, j'ai remis toutes les petites boîtes à l'intérieur.
Du coup, comment vous dire que je suis ultra, 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 ultra heureuse de vous montrer ce calendrier. Merci beaucoup du fond du cœur d'amour, ma petite Mélissa chérie, pour ce cadeau. J'adore tout ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien qui me déçoit ou quoi que ce soit. Tu me connais en même temps, donc forcément, voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner sur sa page Instagram, à aller voir tout ce qu'elle fait, parce que vraiment, elle fait ça avec le cœur, avec passion. Elle a énormément de talent. Et vraiment, franchement, vous offrez un calendrier comme ça, personnalisé, enfin un calendrier fait main comme ça à quelqu'un. Alors forcément, si la personne est sensible à tout ce qui va être un petit peu à l'écologie, à la protection de l'environnement, ce genre de calendrier de l'Avent, ben voilà, c'est quand même top.